Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Baramboka, Obalwaki Yindi, un nouveau commandant de la 34e région militaire a pris sa place, Bandeko, remise et reprise, Boibi Kazaki déjà nommé. Alors, c'est pour cela, c'est lundi, a lancé appel, na Villa Goma, Bandeko, Pona Masulu, Oezaya Kusakanati. Yewana déjà réunir Bango, eti, tous en a guerre aux élèves contre Batakagame. Alors, match est à Mouboulou. Des changements, c'est changement. Donc, t'auras gagné bitumba ouille. Alors, tous à la connecté, beaucoup, y'a qu'à y'a moi qu'on s'exprime. Peut-être qu'on développe ma solo, la katia, y'a SAEDIS. Kaka n'a pas un abandéco. On va parler sur, au bazo l'oubaki, au y'a qu'à cimetière, y'a armée rwandaise, saki. Donc, bah, koufi bende bele bandeko nangai, wazalendo, a sali ba homo sala na poana. Alors, tous à la connecté. Deuxième point, chers téléspectateurs, début des opérations bandeko, de violents combats, au yokaka entre FARDC et l'armée rwandaise. Donc, ma solo est bandi. Donc, bozo mon apena ki, tangwe koki, ete, to gagne ma solo oyo. Alors, tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission de M. Bandi, toko kende directement Bande Kona Nord Kivu. Et pas wa remise et reprise de Salami entre Mambondani Shura ou a remplacé Kipezo, ba eko sa remise et reprise dans un nouveau commandant. Ya woutie en direct à Congo Central. Masolo Kitoko. Ba e pena changement. Bande quoi avec les changements, yango ne salaka tito gaye bitumba ouyo. Banamboka, soko tali bien, armé na tso penza, bazo sala boulo kitoko. Mokoza mboka avec des stratégies de changement, makambozo kene bien. Alors, maintenant, to bande ko, un nouveau commandant ya 34e région militaire, au nord Kivu. Le commandant, Alendia, yomba obenga nzambe. Donc Dieu, kombonae. Alors, ye aeko zwa place. Alendia lobiboui. Que sans la population, ako sala boulo ou bien dit. Yante sa ba kongole eti, tala, banamboka. Est-ce wane zo tambola na ba stratégie? Les stratégies militaires, moko zamboka yo comprenne ke, il faut batouana ko changea ka bango. Yoko vous mela wanati. Parce que ma kamboto vivre na est, et zo senga batu moko très capable, o bazo mona musika, pe bazo mona onyo se zo le kake, ah wabwe tabwe, parce que bandeko, mboka ezaki tellement infiltré. So ki lelo kagame ba gagne gagne ba terrain, kodjo ba village wana, ezaka mingi ba komplo. Les Mouloba, pourquoi bâti boy? Non, il y avait des complots. Il y en a même nos forces armées qui ont perdu leur vie dans le complot. Mais si quoi yote? Banamboka bâti les mipenza. Alors, maintenant, yetawaye, et l'okali bosso, asay nintala, ba stratégie zébélé, a bendi population pembeni. Alobi ke sambino boulo eze lokuti. Armée fatambo l'ensemble na population. Population za moutou azo mona monsika. Yango bozo mona ke armée rwandaise. Na ba territoire baza okipi. Population azo funda bango. Azo pesa wa message pona bango. Pende baza ba ebi ke to alia wa. Baza pena don. Loba babata manazamba mena kati ya mboka. Bazo mona tout, bazo sala. Alors, avec stratégie à coopérer na population, aïe na baïda kitoko. Bandeko, les changements et même akamakama siko. Na kata terre. Suite au tal arrivé na ye, au mona clairement été,
mission ezaki toko ezaki est wana ezala pacifique et puis tozo mona ke ba action na ye ekozala kitoko bandeko tant kaka komi ba yambie mbala moko réunion spéciale chez téléspectateur tala même sac ba komo benga ngo cimetière kuna ba omeka lisute do kagame na batu na ye ba luke ba maele siliban ba bibemba ko sakanati ba wazalundo passe one za terrain na bango zamba na bango ba koli kuna donc oyo kaka mutozo na deuxième partie alors awa nan tolo ba remise reprise. Les changements na côté armé est important pour to gagner bitumba oy to gagner monguna monguna ko sakansu na bisoti mais o senga bisonyoso la main dans la main to se communiquer pour moka oye kende libosu bana moka la RDC wuti musika alors arrivé à Lenzia ayeko remplacer Shora Shora wana a remplacé ki Mpezu. Mpezo a été renvoyé à Kinshasa. Les stratégies aussi, kaka. Aux collaborations à FDLR. Quelle collaboration? Alors, mais, mon cousin, bon, azo, l'axabando qui a Congo, ana, aux communautés internationales, à l'Mpezo, na Kinshasa Batché, commandant wana Moussousou. Et maintenant, Moussousou a yi, qu'on remplace, donc, l'élo, remise et reprise. Na, Mambondani, Tchoura. Il a fait à peu près 2 mois kaka ou aller ou aller. Hier, à l'embala moko, lelo remise et reprise. Ba figure à sika. Ba zomé à makamba bien. Si tu n'as armé, si tu n'as est ou ana, et sa place ou moko zamboka, il faut ça la kaba changement. Mais arrivé na ye, na moni batu ba sepele bili. Alors, comment on a été. Mbala moko a komi a pesi stratégie o baki nyoso bayebi. A bendi peuple moral. Parce que e komi tan oyo te monguna to bengana ye. Il a même dit ça. Écarté le M23. Ba kite terrain oyo. Alors, to tanga arrive na ye. Peto yoka ye, bon to avance. Remise et reprise à la 34e région militaire à Goma. C'est lundi 4 mars entre le général major Shora Mambondani et le commandant entrant, le général major Alengwe Yewana. Nyatesia Nzambe Dieu Gentil, commandant de la 34e région militaire. Bandeko, les événements. Parce que il fallait kaka estewana ba changement et salamaka boko yokaye boko comprendre que aza l'homme à mission aye pona mboka pour l'intérêt EDC eti mboka oyo ezala pacifier comme mutunyoso aza kuzila bandeko EDC ezaki trop infiltré ya trop. Sobo mona alengwa ni tetesia Nzambe Dieu Gentil. Donc aye pena na mission. Mission ana eza som. Mais kombo pe ezo sala vrai. Nzambe boko vivre awa. Parce que ya za pena po mona kombo abweza ba kombo ramu tazwa kombo Nzambe boko vivre ngosiku. Alors Kagame ses hommes ba yebela. Parce que maintenant, ma sola kitoko, biloko moto kalate ko kite la bango, ba musuba ko zala soba ko paradambango ndeni ni, toko ye baga akuna. Parce que matche zana kanabisu. Yanto lo abana mboka, to tele ma pour la nation. Monguna kote li bisu, le stratégie zala, pona ko benga na monguna. Allo, sans plus tarder, la 34e région militaire, mon général, le détachement d'honneur 34e région militaire garnison de Goma est rangé pour vous accueillir.
Il s'appelle général-major Shorama Bondani, le nouveau commandant 34e région militaire, arrivé à Goma ce mercredi pour prendre ses fonctions dans cette province victime de la guerre d'agression rwandaise sous le label M23. Je bénis le Seigneur pour mon séjour ici, la confiance que le chef a placée à ma personne pour que je puisse travailler dans ces contrées. Je suis sous le commandement du coordonnateur des opérations. Nous pensons clairement que nous allons s'y mettre, conformément aux instructions du coordonnateur des opérations ici, et que nous puissions faire notre part dans notre secteur, celui de la 34e région militaire. Pour réussir sa mission dans les opérations contre les terroristes du M23, appuyé par Paul Kagame, le remplaçant du général-major Bruno Mpezo, rappelé à Kinshasa par la haute hiérarchie militaire pour consultation, appelle au soutien de la population. Que la population sache que sans elle, nous ne pouvons pas réussir les opérations ici. Mener des opérations avec une population qui vous est favorable donne déjà de l'espoir pour une victoire. Nous comptons sur cette population et nous sommes là pour elle et elle doit aussi être là pour nous pour que nous puissions faire un bon travail ici. Soulignons qu'au pied d'avion, le général-major Shorama Bondani, commandant 34e région militaire, a été accueilli par les responsables militaires en province. Le général-major Alain Ngani Tetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Shora Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la remise en reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants des grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers. Traverse notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Le général-major Alengia Nitetetia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23-RDF. En son nom, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Quand lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis que c'est l'engagement qui devrait animer tous citoyens congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alenga Nitetesha Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire. Chers téléspectateurs, Obalwaki Yindi, Tolandia, Alobi Penza, Somutabana na population, Aebi Boulou. Complot yoto koma na ngoti na suka peto ko gany bitumba uyu. Munguna osala ba kop na biso peto telemi. Ba konti pe bazo travail. Ba changement nyoso ya omba benga ka les stratégie militaire. Moto asika suka ya ya kana makamu sutale na yembala moko renyo. A rassembler bango nyoso. Masole bandi. Yango toko gany bitumba. Il fallait kakaboui. Yante sabana mboka. Et te telema pour l'intérêt à mboka. Mouba konti baso travaille jour et nuit. So mome ba changement ba otala a wate. Wana longwa oya remplacer. Tozo mona makamwe kende to sengiti. So makamwe kende bienti. Mokonza mboka li sube erreur di pasite. Changement bala moko. Alengia yo le kakuna. Nzambi, Dieu, yo zalawana, lera komipe,
à l'accès pena ma solo kitoko donné na landi bisonyo sutoko meka ko commenter sirang tousa na besoin et te ba attaquer batou ndenga de viola kombe bandi opération pende bandi toke na bango tina suka ndeko bitumbeza ko sakana tini faire des soukas, la montée en puissance. Mais toujours en apprendre. Alors, maintenant, yaye na mon pépé asika. Mon pépé wana eko laksa sur le terrain. Parce que ngana zo mona kependa opération de grandes envergures yangwane bandi. Bande kweza somo, batoyo nandimite bako kokali susu. Ba okoka subisuti. Yango. Ndenge ya lobi. Tukumona makamu kosana. Parce que. Ola na mutule razoluba. O comprende ki aza determine. Azoluba bien sir RDF 123 ba kote libiso. Ezo sanga kusula la population ensemble. Ko avance. Eza mission moko facilite. Oya ki liboso na ya ou militaire. Ba change. Ya remplace ki mpezo o aliboso wana. Mambonda ni shura. Alongwe. Ba eko ti alezi ya nzambe. Dieu. Ya eko remplace. Aye la pso mpepa kitoko. Pende na moni ye. Aye na makamba bien. Paske situation zo le kana es. Il faut venir de père et de mère na posa ya ko libere mboka oyu. Me ba continue ko benga na batu oyu. Babylone qu'on a bango tout baza ko sala oyo ba ba communauté internationale pe mayele pe bande ko sila bango ba komba ide na bon pe kalate ko suka parce qu'il pensait prendre comme ça que kutu ba meki ata ko lekate ba monique pena to kombe na na force. Allo maintenant bitumba ize ya kusakana te metozo ya na pona mena toke na point ya wazalendo. Bana mboka basir nome sake cimetière ya armée rwandaise bakufi bili. Les wazalendo ont fait un grand boulot. Oui, avec l'appui de l'armée congolaise. Donc to na sake balobi suka. Bah, yamba pesa kombo cimetière de l'armée rwandaise. To kaka mena batunaye, baza kumona makambo na bango. Ndenga baza wana, mayele sili bango. Bazoye bate, ndenya kosala balubita. To tikana no saki, to kene na sud. Bakam saki za facile. Bah, yoko kutana la montée en puissance. Yango nde, to kozana wane mission alilo. Boko yoka fa desende nga salibango. Alo, bandeko, notre armée a trouvé une force sur entraînement, expérience et bandeko kota. Mais awa les awalandes, les wazalendo se sont bien traînés. Donc, bazu vrai entraînement ba wazalendo. Ba bengi saki cimetière ya armée rwandaise. Pourquoi makambo za minene. Bakufi ya tu. Dobaza batu moko, il fallait ba cede kaka. Me kaka me continue ba marche na batu na yi. Dopone ba si la kaka, yi kuna zate. Bala mboka, l'air est grave. Sa ke cimetière de l'armée rwandaise, et étoile flamboyante de résistance wazalendo. Ba wazalendo ba laksi boulot que vraiment bazabana mboka. Au cœur des montagnes majestueuses du Nord Kivu, ça qu'émerge tel un bastion de courage et de détermination défiant les attaques incessantes de l'agression rwandaise. Ces ruelles étroites, bandeko, baignées par la quiétude, résonnent désormais des pas déterminés de Wazalendo. Ces braves guerriers du quotidien devenus des gardiens
une tribu de leur terre. Les Oisaliens de enfants de terre se dressent comme des rampants vivant contre les vagues de l'oppression, protégeant chaque pierre, chaque parcelle par leur chair sacrée. Leurs yeux reflètent la détermination farouche, tandis que leurs mains, cailleuses mais agiles, tiennent fermement les armes de la résistance. Ils sont les héritiers d'une tradition millénaire de lutte de solidarité, unis par un lien indéfectible qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Même Oyakotisika, à Lobiponabango. Chaque berceau de résistance est bien plus une simple agglomération urbaine. C'est le symbole vivant de la lutte pour la liberté, une forteresse Oyokaka, imprenable, dressée comme des assauts de l'oppresseur. Ces rampants de pierre, imprégnés de l'histoire séculaire du peuple congolais, témoignent la résilience et la détermination inébranlable de ses habitants. La tragédie de la guerre déchire les vallées verdoyantes du Nord Kivu, où le fracas des armées étouffe les plaines des innocents. Le Rwanda a vu des richesses naturelles, mais bazako kufa. Bazako mona makamu na bango. Bandeko. Oyoka ke. Baisuki. Le léopard de Saki. Fier. Intrépide. Incarne l'esprit indomptable du peuple congolais. Le patriotisme vibrant résonne à travers des vallées dénonçant la patrie et des élites politiques de Kinshasa. Bandeko basali pena boulou. Oyoraki. Sogoli balubi cimetière, ça dit bakoufi beli. Mais l'armée rwandaise bazoutikati. Quoi qu'il advienne, les difficultés décourageront cette lutte de libération. Alors l'armée rwandaise et les hommes se trouveront leur cimetière au Congo, fertilisant ainsi les terres pour les futures récoltes de la liberté. Parce que ezama kamoka kusakanati oyo bana mboka basali. Alors, bandeko to développer masolo. Bana mboka so balobi sake cimetière, balobi etikali wana était ebota na ngwe komba donc ba cimetière tikali na histoire ba kufi ebeli. Mais le président Rwanda azo continue kaka koya mais bozo kufa mais bozo continue bande ko ba kufi ebeli parce que tant wazelo azo attaquer bango de l'autre côté bazo bombarder bango. Mais il continue. Place Azamutubakas, mais quand même, Atiki. Pourquoi tu zolo batiki? Bitumbeke na ruchuruti. T'es ça qui binoti. Ke batiki ba kimisaki. Bibembeleki. Malgré au missile sol et wapiango. Ba koufi ya trou. Kagame ses hommes et komi cimetière. Ba pakati mbangu ba lobite saki les sosuti. Pourquoi saki les sosuti? Botiaki mutu makasiti. Tabana mboka, makamaza mbulu awa. Zwatan tanga yango, o comprendre que saki o kaka simetir. Ezaya ko yinda, e si e yindi. Donc, ba serkeya ba Rwande partout. Te saki binon. Que bateaux ils vont pas résister. Ba monite allez, Moïse Yazaza. Ba kimisaki. Ba louite, ma sisi, toko karabisouti. Hein? Ba ke na ruchuru. Tolu kanzela na ruchuru, ba kepe kuna, wana tozo ya na poansu. Me lo tonte sa ba Congolais anini. Soko moni place wa kumbenga au cimetière. Kagame sili. Et là, tu as tout l'accent partout qui va cimetière, beaucoup d'argent partout. Alors, après Routchou, cimetière, moussous.
Ezaya kuyinde si yindi, Kagame ses hommes, babwake ponge la masisi. Naruchuro, oh. Toke ne sikona, troisième point. Chers téléspectateurs, to komina point na biso, oyu e yindi bandeko aruchuro. Armée rwandaise bakimi bitumba na masisi. Ba wazalendo ba bombe bango koma ki cimetière. Et mena lelo de violent combat a Rutshuru. Fa DC bandeko masolo kitoko. Avec des stratégies donc ba yoki yango. Nde tolo bi tumbe toka ki lelo badaki na 5h du matin. Rutshuru a fait la puissance de Fardisi. Bandeko toza na armé. Tant tolo ba ki toza na armé, toza na armé. Eh? Oyo kaka suka. Oui, avait même l'appui à Sadek bangwara nyonso mais eza kusakana ti. Kagame azo comprendre ti. Tombe ta drone masasi, drone eza ko essuyer ba masasi nango. Ba voisin mayele sili bango, ils ne peuvent même pas abattre les drones de l'armée congolaise. Batoyo ba kosida. Wane zala ki cimetière a sa ki yo toto ta na deuxième point. Mais troisième point, lobby dans deux jours. Et comme pe cimetière de Rutshuru. Ya armée rwandaise. Parce que baz bango pe baza kotikati. Et comme baza kotikati, bako vivre makambo oyo, pe bako mona makambo na bango bana mboka. Tango bazo peksa bango, bango bazo continue. Et comme il continue, bako kenango ti, wabako sila. Aruchuru devion la komba bandiko. E badina 5h du matin. Mena, ndenge armazo kena makambo oyu. Avec le nouveau commandant ya 34e région militaire, ce changement, e yena mo pepa mousousu. Po oye salami lelo. Fardese, oyu kaka molongi. La victoire de Fardese. L'ennemi, azo pakatambango. L'ennemi a débandé de Rutshuru après avoir fui Masisi. L'ennemi a zako kima. Et puis, tu as lancé un message. Et tu as dit que tu as lancé un message. C'est ça ce qu'il fallait. Au peuple, tu as lancé un message. Mais on a compris une chose. Le nouveau commandant 34e région militaire a été mon peuple. Bandeko, où est salami lelo? De violents combats à 5h du matin. Baluka ki ba meka kote a Rutshuru. Ba yo ki biloko na bango. Kunande kutu porte ouverte. Tiki wanza. Boko vivra ngo sikoyo. Toke ena bino. Alo, bana mboka. Botala. Situation oyo. Tokome na ngo siko. Oyo kaka Rutshuru mena. Ba monike kuna ba simetire. Kumba simetire ba Rwande. Pase ba tiko tibongano mabulu bongo. Kuna ba kina tango loko tabibembete. Fardesa okunda ba onka kabongo kaka. Tole kanzila kaka. Me. Makamboyo. Batoyo komunite internasyonal. Oyo bazo sala biso. Il vont payer très cher. L'armée rwandaise comme ta Kagame ayoka. Soka ko yoka te, tozo kesiko na cimetière de Rutshuru. Kala te. Tambi tumbe zako bete, zako bete, zako bete. Toza yko yoka te. E mena, cimetière de Saki. Yana plaisir mo. Le jeune wazalendo basala ki boulo ya ko sakarate na armée na biso. Voilà, ndenge masole salo. Le loto lo basi de violent combat. C'était passé à Rutshuru. Totanga.
Bandeko eza somme de violent combat. Selon les fonctionnaires délégués adjoints du gouverneur dans la chefferie de Bwito, Isaac Ibira, des violents affrontements opposent depuis tôt ce matin lundi 4 mars les RDF M23 Bandeko oyoka kosakana nangote à l'armée congolaise. Donc tozana kati oyokaka ya kokaye bitumba oyo pe bako vivre yango. Et les groupes armés locaux sur plusieurs fronts dans la chefferie de Bwito au territoire de Rutshuru. Les sources civiles dans la zone informent que les combats se concentrent notamment dans les villages autour de l'agglomération Nyanzali, mais aussi sur l'axe Mabenga, et c'est depuis 5 heures du matin ce lundi que des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues dans les villages Matiti, entre Kisheche et Kirima sur l'axe Mabenga, ainsi que dans les villages Kisoko, Mirubiru et Mwanga, près de Yanzali. Autour de 7h30, des bombes sont tombées sur le village Kindo, près de la base des casques bleus de la MONUSCO, à Nyanzali, faisant quelques blessés, rapportent les mêmes sources. Cette attaque a fait paniquer les habitants et a enclenché un déplacement de la population. Ainsi, des centaines de familles ont quitté Nyanzali, ainsi que le village de Buranda, Kasherina, Kirima et le groupement de Mutanda, prenant la direction nord vers Kinyabanyonga via Kibirizi. Les acteurs de la société civile locale expliquent qu'après quelques jours d'accalmie, les M23 RDF Bandeko auraient eu le temps suffisant pour se renforcer. Il y a un peu de temps. Le peuple a profité de temps pour se renforcer. Les attaques simultanées contre l'armée congolaise sur plusieurs fronts dans la zone. En effet, selon ces sources, en plus des fonds, autour de Nyanzali et Mabenga, d'autres affrontements se sont aussi signalés dans le village de Mbundi, pilote près de la cité de Bwesso. Ce sont les éléments du M23 RDF qui ont commencé des attaques à partir de Kisheche en larguant des bombes vers Ngoroba et Kirima. Les FARDC et les Ouazalendo se comportent bien, ajoute Monsieur Kibira. Bata société civile a tout le bâti. Bangon ne faut pas coopérer bien la population. Donc, message au Nyonso, gouverneur adjoint, dans la chefferie de Bwito, Moutazo pèse un message. Donc, tout ce monde a clairement été opération de grande envergure. De faire des azos laxamant que tous alliés. Wana kutu eza nangote woba liye tu sa. Fardese ye moko naba wazalendo. Bazo sala bulwa kusakanati. Ba beti bango biloko. Ba nyingise bango ba drone. Pase bango bazo koka ba drone oti. Ame Rwandeza zo koka yango te. Kokitisa yango. Alo, sans plus tarder, toyoka ese oyu, bongo to avance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, la situation reste tendue et préoccupante dans la zone de Nyanzale et sur l'axe Mabenga-Ruindi en territoire de Rutshuru. Ces deux axes étaient toute la matinée ce lundi le théâtre des violents combats opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise et groupes armés locaux. Plusieurs localités des groupements de Mutanda, y compris Nyanzale et ses environs, se sont vidées de leurs habitants. Des détails avec Bernard Nyangi. Les combats ont baissé d'intensité l'après-midi de ce lundi, après des violents affrontements signalés entre 5h du matin et 11h locales, opposant les FARDC soutenus par les groupes armés locaux aux rebelles du 1-23, notamment dans les villages autour de Nyanzale, groupement Mutanda, et sur l'axe Mabenga-Ruindi au nord de Kiwanja, chefferie de Bwito. Plusieurs sources civiles indiquent que les rebelles, un des villages situés dans l'entrée sud de l'agglomération de Nyanzale, après ces violents combats, des obus ont frappé ce village vers 7h30 local, faisant au moins un blessé parmi les civils et touchant la base des casques bleus de la MONUSCO. Sur l'axe Mabenga, si toutes les deux parties gardent encore leur position, nos sources parlent aussi des bombes qui seraient tombées sur les cultivateurs dans la lisière du parc national de Virunga autour de Mabenga, faisant quelques blessés.
Actuellement, plusieurs villages, notamment Nyanzal et Kirima, Kabingu, Bualanda, pour ne citer que cela, sont vidés de leurs populations qui ont pris la direction de Kanyabayonga. D'autres se sont déplacés vers Kibirizi, qui vit aussi de plus en plus dans la panique. Goma. Chers téléspectateurs, Tolandi Bisonyos, Kalate, cimetière armé rwandaise, Moussou Naruchu. Bakimi kuna, bakimi masis, kuna mwezati, baye Naruchu. Allez, bakanzi bako gaeli suba village, non. Bako permettre bangoli susute ata mboka moko ba récupérer et l'on toluka to récupéro bango ba sibazui fa desa za déterminé na ndenga muketi bandeko matcheza na kanabisu donc ozomona très bien oui tozala bato pe bakoza na sima bandeko na biso ya sadeke na usume Fade sa zo laksa bango bounou. Kito zali. Kakame se zom. Bazo sala marche en arrière. Pe ba vivre yango. Soko moni bango ba largue bombe pa population. Oye mousoa tourmente a poli. Échec. Ale. Batika bombe kota population. Me tinda bombe kota batu wobunda na bango te. Il wana tu kanda pasi bi bembe bwesi lali. Tu voyais Babila après. On va se retrouver dans les cimetières de l'armée rwandaise à Rutshuru. Mais comment commis y en haut. Donc tant que tu as les cimetières, c'est-à-dire c'est fini. Bandeko, soko yoka ki de solo oyo. Awande o tanga yango biende bolande na deuxième point. Bandeko bakufi ebele na Masisi. Alors ba yesu ko na Rutshuru babite kuna. Match kozaki toko toko gagne bango toko botere sur ma village. Ah le waza waza le far d'ici. Il se comporte très bien. Bande ko ba petit bango na ndenga kosakana ti. Ba lali si bato bi bembe na ndenga kosakana ti. Peto o continuer kalate boyoka. Voilà ce que nous voulons. L'armée se comporte très bien. Alors, des violents combats, ils ont même largué de bangot ma banda qui n'a pas meka. Faire des habitants à vos élèves à mout. Bande de coups au basu et à Kosakanati. Mais conseil à tous au Pesaba Wazalendo, binobo landana, bino wanati, oh, c'est le fait, binobozo continue boulot. Mon monde mosal na saki. Si vous avez ça, na ruchuru pelisuzu. Toyoka, le cimetière de la mer rwandaise à ruchuru. Parce bazako yokati baba tumoko na nombre basiba jiba perte Kagame fanatique fallait qu'il cesse mais il continue et nous allons continuer à les bombarder ba koki même ba drone na bisoti ba tirer simito misot silver taba misilo botika aka ba chantage et ça les lokoti et ko ça la paix lokoti. Communauté internationale, mes messages, nous avons que Rwanda a mis un missile sol air, na yo, et ça pour la banque Sabiso, pour la banque Sabanan. Fade, c'est bon, continuer. Bombarder, bango. Bango, kokana, bango, ti. Alors, des violents combats comme ça. Bah, j'ai nos bazo travailler pour l'amboka. Bandeko, t'as tout bête la bango, ma boko. Bazo, bundana, ensemble, donc, faire des sépénas au monde, oui, c'est gêne, la bravoure n'a pas. Ah! Mais, bah, t'y qui s'en moutait. Donc, bah, j'en côté l'ennemi n'a n'engue, mon coin, n'emi n'a kata zamba, ma yé, les silly. Et là, que c'est important, ça qui va voir ça, l'endo, bah, yébi, zamba, kolé, kabango. C'est peut-être, bah, on joue à Béchec. Kagame et son armée, on joue, yé, l'encolo, mboka, n'a kata mboka, n'a yé. Et combien de temps ces jeunes vont oumer la forêt? Alors, quand la tête au bête a mis le solo, il y a les cimetières de Rutshuru. Au moment qu'il y a le cimetière de Sake, beaucoup de gens ont été cerqués. Alors, Bandeko, l'heure est grave. Kagame et ses hommes, Banduka Nzela Kobima. Banduka place à Kobatama, parce que pour na bango, Basili. Peut-être que Sili sa bango très très bien. Chers téléspectateurs, et l'autre au sein de la binoise à moko.
ke bitumbo tozana ngona es esenga contribution na bisonyoso parce que oyo bande ko salami mais sa victoire na biso la victoire de FARDC passe ba koke ko gaya ta village mon côté bitumbo na FARDC azo maintenir na ba village wana moi ba tout près de moi so. Et nyanzale, dobi tumbe yo sala makuna, et doba afronyoso. Bazane échec, bako djwata village mokote, ils ne parviendront plus à gagner ta terre moko, terre moko, village moko. C'est ça la décision à faire d'ici. Il faut qu'on empêche bon banalelo, et c'est tout. Parce que tous aucun de ce koyo n'a marche en arrière. Alors, et loko ne sala bilo kwa bo. Toto lo malikamo très important na ba stratégie militaire, c'est-à-dire changement na makambu nyonso za kimporte. Tala nouveau commandant yena mupepe mususu. Et ça le kitoko. Et Alenzia, Nzambe, Dieu gentil. Bozo adongo sakana te donc bande ko ba ko vivre yango. Alors, maintenant il faut pas l'anda battu. Va poursuivre Bango. Il ne faut pas arrêter. Là, ça, c'est notre conseil. Ceux qui vont poursuivre, on est basé sur la marche en arrière. Bokena Bango, Tiba, l'équipe qui bumba barou, tout au botoli, botoli, nyonso. Repousser, et c'est le côté, il faut qu'on l'anda Bango. Bana batu, baso kine kuzwa bango, so ki wap baza koya kuboma bango. Pasi baso kufa. Voilà comment mission batu yu, ezo koma nasuka. Bana mboka, to tele mapona mboka. Eza mboka na biso. Alo, chers téléspectateurs, de violent combat, la victoire de FARDC et le Wazalendo, nous devons les applaudir. Parce que basa le grand boulot, botala ki armée rwandaise, na armée ougandaise, ba kimi bitumba na masisi. Ba mori keto kende na ruchuru. Oyo ba jile lo, na ndimiti. Marcha nereyo ba sali, FARDC fale ko landa bango. Ko bombarde bango lisusu. E pi a finir avec. Alors, bana mboka, to komo tika mona bino, to landi biso nyoso bekisre, to yoki nyoso, soki nano sabone te sabone. Awo kotanga vrema suru. Oyoga kiyo simetier. Uyembangu na Congo News 24. Otangi. Eza kitoko. Alo. Bana mboka. Seta se point. To kome klotire emisyon na biso. Bo kontine ko sabone masivman. Au revoir. A la prochaine.